de toi? Alors, Omar Payet. Deuxième nom, Dom Shine. Je reviens un peu plus sur Dom Shine maintenant. Photographe, réalisateur, et puis, on va dire, aussi, j'organise aussi, je crée aussi mon événement de danse. Donc, ça fait longtemps que tu es dans la danse maintenant. Moi, je t'ai connu en 2004. Ouais. C'est là que t'as commencé, 2004? Ouais, à peu près là. T'es le premier que moi j'ai vu personnellement photographier la culture des battles. Ouais. Pourquoi? Parce que je me retrouvais dans cette énergie-là, dans... Contrairement à ce que je pouvais croire, contrairement à toutes les idées qu'on pouvait recevoir, je trouve que la danse hip-hop, elle a quelque chose. Surtout à cette époque-là, c'était encore assez différent. Ouais, c'est bien. Et voilà, je me reconnaissais vraiment là-dedans, dans cette ouverture, dans cette façon de vivre. Voilà. Et tu fais partie des pionniers, je dis bien de battle, parce qu'avant toi, il y a eu des Martin. Il y a eu des gens voilà, avant toi, mais c'est plus la culture hip-hop, comme Yoshi, Martin, tu m'as compris, tous ces gens-là qui étaient là avant toi. Toi, tu fais partie de la culture des battles, tu as une patte au niveau de la photographie, que je pense que beaucoup de gens se sont identifiés, où tu as été l'impulsion pour beaucoup de photographes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que aujourd'hui, dans la façon de photographier un battle, un danseur ou n'importe quoi, t'as immortalisé une façon de faire qui t'est propre? Le style Omar Payet, quoi. Alors comment dire, je vais te répondre de plusieurs façons différentes. Moi quand je voulais dire ça, je voulais dire parce que je vois souvent des gens qui font des sauts, et toi tu les prends en apesanteur. Je vais... Actuellement, pour moi, je veux dire, je vois les choses autrement. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'il y a une époque quand j'ai commencé à faire des photos de danse, je pense qu'on sentait, c'est moi, c'était mon délire tout ça, où j'avais ma patte. Et maintenant, on sait plus reconnaître ma patte. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pareil. Que j'ai ça, c'est pas en mode haineux. Moi, j'aurais pu, justement, il y a des moments où je fais ça un peu bizarre. Je pense que maintenant, pour moi, la photographie de danse, ça devient presque comme une nouvelle discipline, même du hip-hop en fin de compte, ça s'est démocratisé tout ça. C'est vrai. Et il y a des gens qu'il faut kiffer, des jeunes, des gars vraiment pas connus, et j'adore ce qu'ils font. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Après, t'as des personnes, c'est vrai que parfois tu te dis, tu vois toujours la même chose, et c'est un peu comme en danse, quoi. Je pense que c'est les mêmes sortes qu'en danse, et je pense que maintenant il y a des écoles, il y a une autre école qui s'est ouverte aussi dans la photo, et je pense qu'on sent un peu les deux courants de danse de quelqu'un qui travaille plus. Mais ouais, enfin voilà, en tout cas, je pense qu'après moi je vais partir dans des nouveaux délires, de toute façon je suis déjà sur des nouvelles choses, mais voilà. T'as été devenu activiste, t'as organisé un événement, le défi paillettes, c'est quoi? En fait, le défi pet, c'était quoi? Au départ, je l'ai fait pour le kiff, tout ça. En fait, c'était à force d'être photographe de battle. Au bout d'un moment, tu te rends compte que par rapport au style de danse, ouais, et tous les styles de danse ont une rythmique spécifique. Le breakbeat pour le break, pop, tout ça. Et le problème, au bout d'un moment, c'est qu'il n'y a plus de surprise dans une danse. Je trouvais au bout de 20, 30, etc. Et moi, mon meilleur ami était musicien. Et je me suis dit, mais vas-y, il faut refaire un retour, faire un retour aux sources. Il faut que les gens ils se remettent en danger. Donc je me suis dit, vas-y, retour avec un live band. Au départ, c'était ouvert à tous les styles de danse. Puis le côté, parce que voilà, tu me connais, j'aime bien le côté décloisonné, parce que tout le monde s'est de plus en plus enfermé dans un délire. Ouais, et, et puis en fait, à partir de 2012, c'est devenu le premier événement de toute danse avec un live band. Et même électro. T'as même mis électro, classique, africain, contemporain, moderne, jazz, n'importe quelle danse, tout ça. Tu bouges ta danse sur la musique. Ouais, puis c'est un retour à danse. Alors les autres danses en dehors de hip-hop, elles sont encore un peu à la peine. Mais ils commencent à... Tu vois, Taylor qui arrive en finale de la licence, tout ça. Mais là, t'as beaucoup de licences par rapport à ton événement. Alors, il y a plusieurs choses qui ont changé ces dernières années sur pas mal de choses. Alors, comme tu disais, c'est marrant parce que tu vois, quand on se rencontrait au départ, moi ce qui me faisait rigoler parce que tu vois, je venais pas spécialement de parler tout ça. Et parce qu'à cette époque-là, 1000% ça me parlait pas trop, tu vois, de ménage et tout ça. Et je sais que je me rappelle, tu vois, il y a juste que je me rappelle de ce truc où t'arrêtais pas de me voir partout, puis au bout d'un moment tu fais, mais si
c'est qui ce gars. C'est vrai qu'en fait, à une époque, j'étais vraiment, vraiment beaucoup dans les battles. Et enfin voilà, maintenant, je serai toujours là, je fais toujours des choses. Et puis, et qu'est-ce que tu disais? Sacré Omar. Ouais. Sunshine. Mais je voulais savoir s'il y avait des licences par rapport à ton événement. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des défis paillettes qui étaient défis à Marseille. Ouais, non, il y en a eu un à Cannes, il y en a eu un à Dijon, il y en a eu un à Bourges, il y en a eu à Bruxelles. Moi, je me rends compte, voilà, cette année, je me ressens sur une chose. Ce qui m'intéresse, c'est pas faire la quantité, juste faire des trucs super chouettes. J'aime bien faire des beaux. La qualité, mais à ton image. Et voilà, je suis photographe, je suis réalisateur. Ça, c'est mes priorités. Faire un putain d'événement où tout le monde s'échange. L'année prochaine, il y a des choses qui vont changer. Donc cette année, l'événement va revenir, mais il va changer aussi. Et on va voir si je pourrai me donner les moyens de faire ça. Quand on fait ton métier, donc on est employé par un organisateur, est-ce que c'est possible à ton niveau de pouvoir donner des photos à tous les gens qui te demandent des photos? Non, alors. Non, moi je pense que non. Justement, c'est ça. Alors, bon, pour les danseurs qui regardent les vidéos, ce que je veux dire, quand je peux, je vous les donne, mais y a parfois j'étais dans des rythmes où c'était impossible de transmettre. En fait, quand je fais des photos tous les week-ends ou deux fois par week-end, en fait, il vaut mieux demander à l'organisateur. Voilà, lui, il a tout son reportage de l'année. Les cadeaux. Voilà, moi, je transmets un petit peu, mais juste les meilleurs, mais je peux pas tout donner. Et chaque photo, il y a et donc en bas ton tag de Omar Payet tout le temps. Ouais. Ouais. Parce que genre, lui, une photo, c'est comme un. On va dire, c'est comme si c'était un partenaire, quoi, en fait. Bah, en fait, c'est simple. Quand tu fais de la photo, les gens te voient pas. Ils te voient par quoi? Au moins par ton crédit, c'est juste ça. Ton blaze. Et puis voilà, quoi. Vas-y. Il y a des questions qui piquent. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'il y a une guerre dans la photographie de battle? Moi, je pense que oui, on le sait tous les deux. Il y a une guerre qui va devenir de plus en plus conséquente. Après, voilà, bah, je m'en fous, je suis pas, comment dire, je suis pas moraliste. Je parle d'une guerre, une guerre, pas économique, mais je veux dire, une guerre dans le game, parce que chacun essaie de se placer. Il y avait aussi une guerre économique. Il y a une guerre dans le game, oui et non. Alors, je pense que les plus gros, ils savent se différencier. Ils ont quand même quelque chose de différent. Et après, ce que je dirais, voilà, je pense que beaucoup de monde ne soupçonne pas encore tout ce qu'on est capable de pouvoir faire avec la danse en images, en photos et vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, la nouvelle génération, on sent qu'ils ont le courant d'influence, mais il y a vraiment, c'est comme en danse, il y a 20 000 personnes qui sont développées. Je pense qu'en photo, il faut que ça arrive à faire ça. Et il faut que les gens y grandissent encore. Quoi. Et le but d'un photographe aujourd'hui, c'est dans la danse, c'est d'obtenir les meilleurs contrats, c'est-à-dire travailler, être photographe pour le JD, pour Shell, ce genre de choses. À une époque, même plus jeune, tu penses à des choses comme ça. Donc moi, à un moment, je voulais être partout. J'ai été un moment partout. Bah, c'était partout. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'artistique et faire autre chose que des photos de battle, d'autres choses. Voilà, je kifferais toujours, surtout des. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans des événements à qui je défends aussi les mêmes valeurs ou ouais, j'ai envie de vraiment de les aider à se développer. C'est plus pareil comme avant, c'est plus forcément alimentaire, mais non, c'est sur un événement, c'est parce que derrière, il y a une philosophie qui est en équation avec ce que tu penses. Ouais, en tout cas, c'est possible, enfin, quand on peut faire ça, enfin voilà quoi. Et la question de fin, ça serait est-ce que là, t'as sorti un livre? Tu te battais pour un livre à un moment donné, il me semble. Je travaille toujours dessus, c'est un projet photo-vidéo, donc il est extrêmement dur à faire, je ne sais pas pour tout de suite, ce sera dans les années à venir et puis voilà. Donc, si tu as un conseil à donner à la nouvelle génération qui fait des photos, ça serait bah vraiment de se faire kiffer, mais essayer de réussir à. Tu vois, c'est ce que je disais, je pense qu'en danse, les profs des élèves de souvent dire essayez de mettre de votre personnalité, et je pense que voilà, c'est ça, il faut que les gens ils arrivent à. Il faut qu'ils arrivent à créer un univers, à rentrer à. Voilà, on sent que c'est. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Mais après, tu les connais quasiment tous. Bah, je vois tous les événements. Je vois tout le monde. Bah, ok, moi, je te remercie en tout cas. Bon, prochain. Peace, Dumshine. Salut.